tout le monde, c'est Tardarin, je suis en compagnie de Katox, de Weirdmec et d'Atemir. On reprend là où on s'était arrêté devant la magnifique statue de la déesse Char. Ouais, Et qui porte un panier. On va aller explorer quoi les gars? Le Gulesh, Gulesh. Le temple de Char, hein, ma foi ça me semble être... Non parce qu'on hésitait, attends je monte la carte. Ah non mais t'as enlevé le Mechmelech Mechmelech. A 4, c'est... à 4, regarde, c'est bon j'en ai remis un. Regarde. Voilà, donc on avait le choix entre Mechmelech Mechmelech. Ah oui, ouais, ouais. Le doute qui m'habite. Et là. Donc on a décidé d'aller à Mechmelech Mechmelech, puis d'enchaîner par là, et puis peut-être le doute m'habite. Oula, mais Katox il l'a pas vu, Katox il l'a pas vu. Ah si, excusez, j'ai pas vu. Ah, non, il a toujours. Mais il a pas vu. Oh, ouais, espèce de, il l'a pas vu. Espèce de chaton. Trop mince, la petite bite. C'est bio. Par contre, je sais pas si moi je vais réussir à remonter ensuite. C'est ton problème. T'inquiète, on t'aidera. On te jettera. Moi je me propose en tout cas de te jeter si tu veux. Oula. Merci pour la sauvegarde. Non, c'est pas moi. Ah, attends, du coup, je vais prendre ma potion qui me fait dormir et récupérer mes sorts. Hein. Alors, si jamais là il y a un truc. Et toi, t'as pas des spell slots de level 3 ou 4? Moi, j'ai des spell slots de niveau 5, mais de cultiste, donc j'en ai que 2 par court repos. Ouais, je sais bien. Voilà, donc du coup, la potion de rétablissement angélique là me plaît beaucoup. Mais elle a marché pour tes space slots de level 5 ou elle t'a filé des levels? En fait j'ai que 2 space slots du max. Ouais mais ça veut dire que ça te capte les sorts que tu lances au level 2 ou pas? Parce que t'as des sorts que tu peux en gros lancer et même quand t'as que 2 emplacements de slots. Les 3 quarts en fait dès que je lance un sort au max. Et donc le truc de potion angélique ça te met level 2 mais finalement ça t'a rendu des level 5. C'est ça, ça fait comme un court repos. Wow, oh, c'est beau. Bah c'est bien. Ouais, pas mal. On est coincé. Il a récupéré une main. On est coincé. Regarde les deux sous frotteux là, regarde. Oh, ça pue, let's go. Alors on a séché la gym les mecs. Bah écoute, t'as qu'à les lancer jusqu'ici hein. Vas-y, je vais essayer de faire ça. Alors, je vous promets la technique qui sera, le doigté et la douceur, moins. Ah bah oh, il a réussi. Oh mon dieu. Là, je te rappelle que j'ai encore l'arme qui permet d'avoir la force capée à 19 au cas où. Je l'ai gardé, du coup j'ai... Et là, attends, tu peux toujours pas sauter? Alors je veux bien que tu sois... Oh tu peux là. Non, je peux pas. Oh tu veux que... Attends, j'ai une super idée. Alors... Non, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas. Ah non, target il se bloque. Ah mais non, attends. Ah oui, effectivement. Ouais, non, si. Et dans un monde, ça peut le faire. Sinon j'ai une idée. Bah au pire tu le télékinésie ouais. Bah c'est ça. Here goes nothing. Oh je peux. Eh je peux le jeter dans le vide. Merci. Je peux assassiner mes collègues. Pourquoi Ardell est tombé? Bonjour. Mais ça me semble bien sympathique cet endroit. Alors, oui, et si je leur mettais un bon gros sort de zone? Oh. Ah, vous savez quoi? Ça faisait longtemps que j'avais pas déclenché un combat, tiens. Ah, t'es déjà en... Ah oui. Ah bah là, mais t'as pas de... là, j'ai rien eu le droit de faire, là, genre... Mais t'as même pas de blabla, rien du tout. Ah, rien... Non, mais j'ai même pas eu le temps de parler à qui que ce soit, genre... Alors, voyons voir... Putain. Des mérégons de niveau... Oh, niveau 5, ça va. Mais ils sont alors... Pas. Alors... Résistant aux dégâts tranchants... Aux dégâts perforants, aux dégâts contondants, immunité contre les dégâts de feu, résistance au froid, ça fait chier. Oh, je peux claquer une fin d'adar. Je peux avoir les 6 du fond là, je peux la mettre en fin d'adar quoi. Les 6 du fond. Les 6 du fond. T'en as, t'as 2 devant et t'en as 6 au fond. Attendez, j'ai une idée. Moi j'envoie 2, 1, 3, 4, 5. Je vais faire une dinguerie. Oui, je peux tenter des assassins imaginaires. De toute façon, je suis en combat déjà. Je peux leur mettre un petit glyphe de. Qu'est-ce que t'as fait? Attends, mais du coup. Bah, ils sont en bas maintenant. Je poursuis. Alors, si vous pouvez tous les balancer en bas, peut-être qu'après je leur mettrai un gros glyphe bien bâtard sur la tronche. Ah bah attends, je vais essayer la Thunder Wave alors. Ah mais j'attends, je peux faire des charges occultes pour en pousser 2-3 si j'arrive à me glisser derrière.
C'est la alors seule, je pense que le Jurgir en question, bon, à push, ça va pas être évident. Mais ça peut se tenter. Bah essaye, moi je vais tenter de coincer les deux là-bas là. Trône c'est de quoi, moelle tordue. Sympa. Thunderwave, putain, c'est un con save. Et lui, il a combien de constit? Ah! Ouais! Ouais! Jackie, il a quand même. Bah, je peux tenter de le télékinésiter, mais. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais, je suis déjà en combat. Donc... 3, 2, 1, partez! C'est un échec! Au secours! Attends, laisse-moi celui-là et celui-là. J'ai peur! Voilà, allez, il y en a encore plus en bas. Continuons. Bon, je vais me remettre sur une position élevée parce que sinon, je vais. Tu peux essayer de faire quelque chose pour les 4 en bas, Arda, ou pas? Oui, les 4 en bas, je peux leur mettre un glyph, je pense. Waouh. Elle est où la display service? Mais en vrai, vu comment ils sont. Elle est en dessous, elle est. Attends. Ah oui, d'accord, effectivement. Je sais pas comment faire pour ping, là, j'ai pas envie de me planter. Je peux leur mettre un glyphe de tonnerre. Ah, mais un truc en bas aussi, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a ah, en fin de combat trop là loin. Oui, c'est une display service. Ouais, c'est pas. Je suis trop loin, je vais pas pouvoir. Mais j'aime pas trop bien ça. Elle est choupie de ouf là. Bon, bah je ferme. J'aurais bien aimé mettre je mets la fin du tour. Ah, oh, c'est vrai que là. Bah, oh, c'est... J'ai pas fini de jouer. Tellement beau. Bon, ils sont forts là. Je considère ça comme un vrai combat. Ah ouais, si je voulais claquer une popo de speed, bah vas-y hein, fais-toi plaisir mec. Bah non mais en fait j'aimerais bien mais... Je me serais bien mis à côté de toi et j'aurais balancé une... Mais je peux pas. Ça fait chier qu'il soit résistant au feu et à la glace. Parce que j'ai des grenades en fait. Alors résistant à la glace, normalement tu peux... Si tu rejettes de... Ah bah non. Je sais pas si leur balancer de la flotte ça les rend pas vulnérables. Après il y a un brasier à côté et à tout moment si tu lances une explosion ça fait exploser le brasier. Ouais, oh, mais dans le fond, il y a un gros squelette. Enfin, une grosse tête de squelette. Ils sont immunisés au feu ? Ouais, ouais, ils sont immunisés au feu. Ah bah écoute, c'est une belle nouvelle que tu viens de me dire parce que clairement, j'allais lancer des attaques de feu donc je suis content de pas le faire. J'ai vu la grosse tête de squelette qu'il y a dans le fond ? La grosse tête de squelette. Genre en face de Urgir. Genre le mammouth. Enfin, je sais pas, le ptérodactyle. Ouais, c'est ça. Le lidorton, hein. Ouais, ça, le lidorton. Peut-être leur balancer un peu d'acide. Je dois avouer que la décoration est. Fort sympathique. Alors c'est pas mon thème de prédilection mais on va dire que il y a, ah, y a une thématique. J'aurais cru que dans le sud ils aimaient bien suspendre les gens au balcon. Oh bah ça arrive. Ce qu'on m'a dit. Ouais, bah, moi qu'est-ce qu'il fait là s'amuser, hein, chez lui. Oh, je sais pas, je crois qu'il est en train de compter le nombre de boutons qu'il a sur sa robe. C'est... Moi mais non. Bah, oui. J'attends que Arda finisse de jouer pour voir. Il a fait là. Chatter. Il a tenté un il truc. Chatter. J'ai chatté. Chatter, arrête de chatter. Chatter, arrête de chatter. 24. Je crois que tu peux passer ton tour maintenant. Non, mais j'ai encore des trucs à faire. Mais c'est juste j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il faisait pour savoir sur qui tire. Moi aussi, j'ai une glyphe de trucs. Moi aussi, c'est pareil. Je pense que j'avais une petite popo de vitesse là. Paf. Et là, t'as que... pas ton arc qui te file de la hâte aussi, Atemir il Oui. Il est en cooldown, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de short rest. Il est vrai. Bon. Voilà. Ah bah non. Mon bonhomme qui mongolise, c'est fou. Ah, là, il a fait. Il a plus su comment ça fonctionne. Non, mais c'est bien, je me suis mis loin comme ça, ça va être. Il reste littéralement 2 PV, j'ai envie de crever. Jurgir, il va tourner, il va voir le nain. Il va te mettre une marave. je suis un caillou. Ah non! Eh ben! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est reculé autant? Oh! Ah oui, alors faut récupérer ses bombes. Ah ouais? Ah ouais. Elles sont ultra. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ces tailles là. Catbox! Ah ok. Bon, je me rapproche. Oh oh. Ah oui, alors là peut-être ça va mal se mettre pour notre 14. Je vais tenter un truc. Ah, ils ont mis une nouvelle animation pour le bash. Ah, je sais pas, mais c'était très bon. Bon, allez-y, hein. Ah, merci. Oh, ça me plaît que ce soit toi qui te prenne tous les coups, là. Normalement, c'est mon rôle, donc...
Je vais essayer de me rapprocher, je vais Eldritch Blast le mec pour essayer de qu'il tombe. Qui quoi, hein? Bah celui qui m'a tapé là. Et puis je vais essayer de me rapprocher pour voir si je peux pas repérer. Alors attendez, excusez-moi, technique de fourbe. 4d8, ah oui, 8d8, dommage les bombes. Et ça fait quoi si tu les as dans ton inventaire, il se passe quoi? Eh ben j'ai essayé sur ma partie solo et ça ne fait rien. C'est donc là c'est pour ça. C'est là qu'ils ont pas tiré le truc et à un moment, spontanément, il explose. Il y a potentiellement, il y a une chance que ça arrive, effectivement. Donc peut-être que si à un moment je fais prout, c'est parce que il fallait pas que je prenne les bombes. Il reste deux bottes. Bah, il est où le nain? La légende du nain unijambiste. Attends, respectez-le. Respectez-le, c'est peut-être le seul moyen qu'il a de se faire sauter. C'est petit ça. Bah oui, comme lui. Oh, ça marche! Fonctionne. Mais non! Bah je lui ai mis de l'eau sur la gueule et ça l'a fait des j'avais jamais essayé. Oh bah ça genre je suis content. Bon bah. Il y a de l'électricité dans l'air. Et je t'ai dit, effectivement ils étaient résistants au froid et là je crois que je leur ai foutu la vulnérabilité. Oui, ils sont devenus vulnérables au froid. Paf! Et le dégât de foudre. Oui. Putain, il est immunisé feu et poison quoi. Oh là, je pense à moi. Ah, il y a les bêtes qui vont jouer. J'ai un peu peur de ce qu'elle va faire, la bête éclipsante, pour l'instant. La quoi? La bête éclipsante. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle en français? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Oh, ils sont bien paquets là. Oh là là là. C'est beau. Oh, regarde-moi ce petit pack là. Non, bouge pas toi. Mais. Oh le. Je dois pouvoir essayer d'en faire tomber peut-être encore un ou deux Horda. Ah mais là si on pouvait tous les regrouper là. Oh ouais, faut pas espérer non plus hein. Oh mais pourquoi là où? Ah ça y est toi aussi t'as, regarde t'es un fan. Ah bah voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait pour se suicider comme ça? Pourquoi il est mort? J'ai rien fait. Pourquoi il s'est fait dissoudre par de l'acide? Ah si, j'ai un truc qui fait quand on me tape, j'en fais des dommages, je crois. Bien joué. Ah oui, c'est t'as ça. T'as la cape. Eh oui. Ah bah, voilà, c'est parfait. T'es pas fait pour, mais... Allez, Jurgir, maintenant, Ça compte pas comme étant mon tour. Oh là là, quelle misère. Bon, attends. Comment ça? Bah parce que s'il a fait des dégâts. Tour, j'aurais... Ah. Comme je l'ai tué et si ça avait été mon tour, ça aurait été incroyable. J'aime planquer là-bas moi. Ça aurait peut-être été turbo pété quand même. Alors oui, on est d'accord, mais bon. Tu vois, tu vas avoir 5 ou 6 actions déjà en un seul tour. 1, 2, 3. Il regagne une bonne temporaire. Ouais, on va voir combien il va avoir donné. Du froid, hein, du froid, du feu, ça ne sert à rien. Oui. Ouais. Ou de l'électricité. C'est que du bludgeoning, moi, mais. J'entends. Oh, let's go, j'avais une chance sur 3, ça a marché. Incroyable. Monte, je t'invite après à te reculer de la zone où il y a de la flotte. No joke. Voilà, il n'a fait que 6 actions dans un tour. Bon, c'est décevant. Hein. Ça va, Fiji. Voilà, non, parce que. Peut faire mieux. Bravo! Surtout que les mobs ils sont. Ah bah quand même! Allez, c'est loupé! Bon, bah je te laisse t'occuper bah, du gros. Alors attends, heureusement qu'il m'a loupé parce que clairement son truc ça faisait quand même 12 à 54 de dommages. Il pouvait être watch-out presque. Ah non. J'ai que 50%, j'ai un désavantage pour le toucher. Ah, il fait trop derrière, sombre. Derrière ça mettait un poison qui te fait 4 à 40 de dommages par. Ah, rapproche-toi toi, t'es un F normalement, au bout de. À 12 mètres tu peux voir dans la nuit donc.
Si tu te mets le, peut-être là. Mais c'est vrai que t'es vachement loin quand même. On sait que t'es un mage, mais... Là, normalement, t'as plus des avantages. 75% de chance de le toucher. Donc tu t'occupes de Gurgia. Je peux faire 2 à 18 dégâts. Non, je vais lui remettre un petit... Mais non, c'est 2 à 18, ça change. C'est 2 à 18 x 2. Hein. Parce qu'il est wet. Ouais, alors dans ce cas, je vais peut-être pas gâcher un spell, je vais lui mettre... Il est wet. Allez. Plus il est à terre. Pourquoi en bas ils prennent masse d'hommage? Bah c'est parce que c'est moi qui joue. C'est moi aussi, hein, j'ai un tour. Ah mais c'est à distance ton truc, je sais pas. Eh ben appel de la foudre, oui. Hein. Mais je... Tu es Ace Bobby. Exactement. Et il est encore 5 PV, il va dire là. Petite popo pour le plaisir. Ouais, popo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rapproche ou allez? Paf. Il va prendre 2 points de dégâts par tour. On a encore un tour. T'as Jurgir là? Ouais, Jurgir. Ah, ça, joli. Oh, ouais. Et subi. Ah. Raté. Bon, heureusement que ça avait bien raison, c'est un peu con-con. Hein. Là, je prie qu'elle ait pas de Misty Step. C'était une bête éclipsante, hein. Regardez, oh, c'est copie illusoire. Oh oui, alors je crois que ça fait autant de dégâts qu'une copie normale. Oui. Quoi? Ah, je la mets. Là par contre, c'était ce que je crée. Oh. La copie, alors, elle est faite juste pour attaquer les mecs à côté, hein. C'est sa seule utilité. Bon, lui il est malin. Attendez, je trouve que j'avais quand même 95% de chance de le toucher. Je vous avoue que ça me gonfle un peu. Hein. Oh, je vais tenter ça. Bon. Ah merde, je l'ai pas. Voilà. Allez, c'est parti. En avant. La copie illusoire, c'est fait. Ah merde, putain, quel coup. C'est immunisé au feu cette merde ou pas? Ouais. Les bêtes illusoires aussi. Attends, je vais m'en occuper de casser la copie là. Non, bêtes illusoires, aucune résistance. Ah, parfait. Ah merde. Alors, c'est laquelle la copie là? C'est celle qui est transparente. Celle de gauche. Bon bah on va taper l'autre. Tu veux pas finir le mec qui est à terre? Hein, moi? Ou le mec juste derrière lui? Ah mais non, mais t'as lui, il a jump derrière, ok. Bah moi je sens que je vais lui mettre une petite poignée électrique là, comme ça je vais pouvoir me désengager derrière. Après si tu veux, je me mets au cac et normalement il te... Oh, je... Putain, et l'autre il est encore en train de jouer, quoi. Ça va, c'est bon, je me fais la display service, je peux pas... Non mais ça me désespère, j'ai limite, j'ai envie de respé full fighter, comme ça au moins j'aurai aussi 4 actions par tour. Mais... J'ai juste peur qu'elle me défonce là, mais ouais. Je crois que celui qu'il faut faire plus de dégâts, c'était... J'ai passé mon tour alors qu'il va... Ah non, ça va, j'avais pas d'action du tout. Oh. Allez, let's go, ça y est, on retrouve une table. Ouais, t'as TP avec. Ouais, c'est trop bien, il m'a TP. Ah ouais. Pourquoi j'ai plus la hâte? Je sais pas. Ouais. La popo, c'est 4 tours, c'est pas... Ah bah ça tombe, j'avais plus la popo. Oh, je lui ai fait que 9 points de dégâts, je suis extrêmement déçu. Alors là, ça me surprend la potion, mais normalement ça dure 4 tours, ça... Ils auraient dû le... Faire tartiner la gueule, moi. On en parle. Par un mec qui a 2 PV. Tu veux qu'on en parle? Ah, oh, hey, oh hey. Hey. Ouais, c'est... Ah mais elle arrête pas de faire des illusions. Ah, ça commence à devenir problématique là. Bah après, ouais, on a des scrolls du revivify, c'est pas grave. Hein? Quoi? Mais on a des scrolls pour res les gens, on s'en est jamais servi, tout va bien. C'est pas gênant. Ouais, mais tu vas perdre tous tes bonus, donc je vais peut-être te mettre un petit soin. Quel bonus? Donc paf. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends.
Il y a une bestiole qui s'est fait catoxer la tronche. Bah, je t'ai raise. Je t'ai soigné. Non, mais en fait, moi, quand tu m'as raise, ta display service t'es morte. Et j'étais en mode. Ouais, bon, Jackie la frite en bas là, est-ce que t'as pas pris ou pas? Non, je crois pas. Hein. Il y a juste Jackie la frite, donc Jackie la frite il va se faire défoncer. Ouais, tu sais quoi? Moi je me casse. Allez, ciao. Ah, mais j'ai mis un petit Magic Missile dans la mouille. Ah, c'est pour ça. Ouais. Bah, lui aussi il peut jump. Non. Ouais, mais manifestement pas aussi loin que moi. Je sais pas ce qu'ils veulent, hein, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir plein de PV. Oh, non, mais... Eh hey, mec, j'ai failli. Bolo sur le cadavre. La mise à mort. Tu. Tu vas mourir. Genre le truc qui est déjà mort. Tu. T'as une inspi. Ouais, moi j'ai... L'arme de. Y'a tout qui m'inspire. Regarde, tu vois, là, cette torche, ça m'inspire. Inspiration, putain. Non. Oh, c'est... Vous avez regardé la torche. Ok. Une lueur dans la nuit. Oh, des petits parchos, c'est bon ça. Oh, ah, slow en plus, c'est cool ça. Ah, c'est le sort. Du mage quoi, je le trouve tellement puissant. Ça s'est très bien passé ce combat. Ça c'est toi qui l'as fait Katox ou... Oui, parce que j'avais cliqué sur le lit d'Orton. C'est pas joli le lit de l'Orton hein, c'est... Vous avez looté la display service? Je sais pas où est son cadavre. J'ai looté la display service, elle était vide. Par contre je suis très déçu hein, d'avoir récupéré que 3 petites bombes. Je n'ai pas encore explosé, je suis plutôt fier de moi. Mais attends, mais tu les as sur toi ou pas? Bah oui. Bah 3 petites bombes ça va, l'arbalète que tu viens de choper elle est pas dégueu hein. L'arbalète que je viens de choper? Ah bah elle est pas sur moi donc C'est moi, l'arbalète de point de feu. Ah bah voilà. Qui la veut? C'est une arbalète à une main, moi j'ai une arbalète lourde donc C'est une arbalète. Moi je peux pas la mettre donc. 2 points, ouais. Katox, tu la veux? 4 à 9 dégâts, 1 des 6 plus 3, enchantement de l'arme plus 2, trait de rayon ardent, sort d'évocation de niveau 3. Bon, on voit toujours. Ouais, allez, je te l'envoie, Katox. Et sinon, je vais récupérer quelques hallebardes de mes recons. Oui, ça. Ce sera à vendre. Ah non, on pourra les faire fondre pour faire des bombes. Quelqu'un veut se soigner ou y'a que moi? Bah alors comment te dire que à ton avis. Allez, tout le monde va se retrouver au centre de la pièce pour se soigner dans le sang. Ah, il est où? C'est lequel? D'accord. De loin je vous confonds Katox et Atémir. Déjà, j'ai des cadeaux à faire à vous. Oh, il va me. Alors attention. Il va t'alourdir. Je vais avoir une carotte pourrie. Il t'était qu'une carotte. Alors. Oh là, je vais avoir le droit à toute la sélection des fruits et légumes. Putain, je sens arriver la turbo merde. C'est déjà chez toi. Hein. Y a pas besoin. J'ai un citron pourri, j'ai un champignon pourri, j'ai une carotte pourrie, un bouclier rouillé, une épée rouillée. C'est pas moi ça. Deux bananes pourries. Bon, Mimière, tu te rapproches? Et quoi? Ouais, je suis subjugué par la qualité des loots. J'ai mis une potion. Ouais, je suis. En Katox, jamais tu te fais heal là. Mais t'es où? Et où ta potion? Je peux pas me rapprocher, hein, moi. Vas-y, tape. Peut-être que si on la met plus au milieu. Mais là, quand tu tapes, normalement ça te donne, t'indique pas. Oh là là. Paf! Ah. Tout le monde sauf Arda. Bon, après Arda c'est pas grave, il me manquait genre 5 PV. Ouais, la balle. Il y a une logique qui m'échappe hein, quand même. Ouais. Ah oui, voilà, ok, parce que tout à l'heure t'as voulu utiliser une méga potion pour 20 PV, là il t'en manque 60, tu prends des kiki. Alors, si vous voulez, j'ai. Pas de ah, t'as plus des méga potions? Mais il faut que j'en garde une pour les moments critiques, tu vois. Oui, comme celui tout à l'heure où tu t'es fait marave la gueule et t'as fini par lécher le sol. Je vois un endroit
super sympa avec un coffre lourd dans le fond. Et oh. Mais est-ce qu'il y aurait genre des créatures monstrueuses? Là. Aucune idée. Est-ce que ce serait un mimique? Je sais pas, mais vu ce qu'il y a dans ce coin-ci, ce serait la tanière du truc. Je vois de la chair d'araignée là. Moi, je vois un peu bien calciné. Ce passage là avec Gail, il est génial. Pourquoi? Ah, parce que il y a des dialogues. Oh, si seulement on avait un barde dans le groupe. Si seulement on avait un barde. C'est horrible. Hein. Ouais. Paf. On devrait récupérer les bottes de l'inspiration bardique. Ah, c'est comme pour les gants. Hein? Ouais. Attends. Ah non, c'est pas ça. Jouer de votre instrument pour restaurer une de vos inspirations bardiques. Oh, bah tu peux envoyer, j'ai toujours une inspiration bardique. Hein? Je sais pas ce que j'en fous, mais je l'ai. Ouais! J'ai pas de sort qu'il utilise, mais j'ai encore une inspiration de barde. Mais t'as... Ah! Mais par le feat. J'ai pris un feat pour avoir... Send to Catox, paf! Il n'y avait rien ici, c'est zéro. Enfin, quoique, en fait, elles sont classe quand même. Un petit style. Ouais, il est en discussion l'autre. Je préfère garder mes bottes qui me donnent Featherfall. Attends, on a notre mage qui est en discussion et il dit à personne. Bah oui, ouais. Vous êtes en train de parler, vous ne laissez pas en placer une. Il investigue le cadavre de l'araignée. Non, j'ai plutôt étudié la carcasse. C'est une araignée, merci. Oh putain, justement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Une araignée. Allez, je pense qu'elle est morte. Ça doit être sa tête. Sa tête sur une patte. Il sait que ça a un goût de crabe le machin. Attention, je l'ai vu. And a faint pulse of something not entirely natural. Ah, je sais pas quand est-ce qu'il sortira le DLC, mais oh là là, j'ai hâte. Allez, examinez la vie d'enquête d'éventuelle signe et d'interférence magique. La lécher. La lécher. Tu n'échapperas pas, la lécher. On a dit que t'allais la lécher, bordel. Ouais, si tu le fais pas, nous on le fait. Exactement. Là, je peux pas, j'ai matière d'intelligence, mon perso est devenu intelligent. Le problème, c'est que le joueur, non. Lèche. Potion. C'est une potion, pas poison. Ouais, je dis potion de soin. Moi, je dis potion non, de soin. Non, c'est moi. Poison. Il a confondu poisson et poison. Mais attends, ouais, en anglais, il y a écrit, ça a été arrosé. Ok. Sulfur decay. And a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Lèche. Mais non, je vais pas la lécher, c'est dégueulasse. Oh, allez, give it a lick. Delicious like raisin. Give it a lick. Et il est mort. Taste of rot and sour milk. Your stomach lurches, but your loins tingle. In amongst the rot is an unmistakable sweetness. Succubus spittle. The meat is charmed. Yeah, tiens, c'est pas en investiguant que t'aurais su ça. Voilà. Ouais, il faut ouvrir ses horizons. Uniquement les horizons. Hein. Ah, okay. Oui, bon. Alors, le truc là peut potentiellement te mener à d'autres élargissements. Mais nous ne rentrerons pas dans le détail. Il mène des élargissements où un autre veut, let's play. Nous regarde pas. Ça n'est pas fourni par ces chaînes. Du coup, est-ce qu'on a, on n'a pas inspecté le gros hôtel de carcasse là, bien dégueu Si. Le gros hôtel de carcasse. Quoi, le trône. Le lit de l'Orton. Si. C'est juste, on dit que c'est dégueulasse. Mais d'ailleurs, le lit de l'Orton, on sait qui c'est l'Orton ou pas? Le gros truc qui était en embuscade là, qui faisait à peu près 4 mètres de haut, attends, non, non, c'est, il s'appelait... Il s'appelait Ignir ou je sais pas quoi. Oui, il s'appelait oui, mais... par un I. Orton, c'est un type de monstre, c'est pas le nom. Ah, c'est comme si on disait le lit de l'humain, quoi. Ouais. Ou la débilité du nain.
j'ai compris. Ouais, genre la fragilité du machin là. Un truc là, allez, ouais, chose. Celui qui disait du crin-crin là, qui, je sais pas, toi t'es demi-elfe, c'est ça? Ça dépend quelle moitié. Ouais, bon, pas la bonne en tout cas. Je sens une... T'as pris tous les mauvais en fait, t'as pris tous les mauvais côtés, des humains et des elfes. Je suis un cumulard. Un cumulard? Alors je suis un... Demi-elfe nain. Eh, je peux sauter en bas. Quadriclassé. Damicle. Ah oui, quadriclassé, c'est ça. Ouais, c'est comme aussi vous voulez, des compétences de gnome. Ah, oh, j'ai des tendances un peu suicidaires, hein, quand même. C'est ça, dégage. Espèce de voleur. Il est en train de prendre la statue sous un regard différent. Un cadavre pendu. Ouais, je peux rien faire avec. Alors si on zoom dessus, on peut voir qu'il lève la main comme pour appeler un taxi. Par où on va maintenant? It's clear the victim suffered greatly before dying and being put on show. Ah oui, il nous manque que notre boîte qui est en train de faire je ne sais quoi. Et il faut aller par où? J'étais là où vous étiez et il se passait rien donc je suis allé ailleurs. Il faut aller par où? Bah là on peut continuer à explorer. Bah, je peux un phaser fall hein, s'il faut. Ah oui, c'est ce que j'attends moi depuis tout à l'heure. Bah oui, bah j'attends que le monde se ramène. Et paf. Évidemment, il fait rien comme tout le monde. Ah, par contre, vous, je sais pas si vous allez pouvoir l'atteindre, à mon avis, non. Non, on va pas pouvoir. Oh, il y a un miroir. On refait comme d'habitude. Hop. Vous trouvez des trucs intéressants là-bas ou y'a que dalle? Une porte. Oh! Voilà. Il y a une porte en pierre. Attends, je te ramène vers chez nous. Ah d'accord. Here goes nothing. Putain, j'ai cru que vous l'aviez, tu l'avais jeté dans le vide. Salut. Avec l'angle de la caméra. Mais attends, mais télékinésique, tu peux le balancer. Tant que je suis en concentration, je peux le relancer. Ah donc là, il est encore actif. Ouais, tant que ça fait moins d'une minute. Bon, ah bah, ouais. Let's go derrière la porte en pierre, hein. Impossible à atteindre. Impossible à atteindre. Ah bah, voilà. Mais vous êtes déboulé. Je suis plus petit que vous, j'arrive à ouvrir les portes. Bah, oui, bah, merde. Oh là là. Merde. Oh. Voilà. Ah, c'est ce que j'ai à dire. Allez. Coffre verrouillé. C'est ton grand moment là, j'ai l'impression. Réflexion sur la mémoire de l'oubli. Fail. J'ai perdu que cette petite. Elixir de vision, machin. In darkness, truth. In shadows, justice. In the dark lady's name. Oh la plaque, quoi. Always. Chamber of command. Ouais, t'as eu la réponse. On est tout en train d'allumer là. Ouais, super. Ah, oh. T'es où? J'ai un jet de perception ici. Attends, c'est un difficulté 20. Attendez, je vous mets la. Bah. Je suis le bras en lente. Super, il y avait 40 PO. Bah, c'est toujours 40 PO de plus. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire dans cet endroit? Eh ben, c'est une bonne question. Il y a des chaises en granit. Combien faut-il de nains pour la faire en deux jours? Gazing into the broken mirror serves no purpose. C'est elf, ça, c'est pas nain. Je sais pas, ils sont en granit, donc c'est du nain. Oui, alors c'est pas bon. Dans granit, il y a gras, donc c'est nain. Quand j'ai trouvé un truc avec Nit, je reviens vers toi.
Moi j'ai termite, mais peut-être pas. Éternite, c'est le cancer, c'est les elfes. On se bat, ça. Ah, on tire avec ta gueule. La succession d'idées. Ah bah oui, CQFD. Allez, let's go. Ça me paraît logique. Ouais, c'est. Bon, ouais. Par contre, j'arrive à rien, donc moi je me TP, hein, parce que j'en ai craqué de sauter par toi. Voilà, comme ça, je vous attends. Je vais pas faire du parcours. 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 Bon, ça, je vous attends au doute ou je vous attends là? Et nous n'avons pas fini d'explorer. Si. Non. Vous êtes votre parcours là, je vous regarde de loin. Regarde, là il y a une porte. Là, tu vois, il y a une petite sacoche. Ouais, mais moi j'ai plus de télékinésie et j'ai plus rien. Au moment, le chien à l'affût, quoi, je l'ai cliqué dessus. Il y a. Arrête, t'es bien que c'est retourné. Voilà. Où ça, la sacoche? Oh putain. Il y a le coffre. Putain, il a ouvert le coffre déjà, monsieur. Il y a un râtelier avec des armes. Non, mais par contre, les armes rouillées ça pèse une tonne, ça vaut que dalle, donc arrête de me les foutre dans mon sac, merci. Gatox, je te propose qu'on les attende. Ouais, ouais. Ils ont fini leur petit tour, de toute façon, ils seront obligés de venir nous retrouver. Ouais, ouais. Alors non, parce que si vous voulez avoir... Pas forcément en vrai. Hein. Oh tiens, vas-y, je vais fouiller dans les... Oh là. Miam miam. Les entrailles, miam miam. Ouais, c'est super, j'ai trouvé une note. Ouais, ça c'est pour moi ça. Hop là, ça c'est fait. Et les vases, y'a rien dedans. Tu peux enduire tes points de poison. Moi je peux tout enduire. Ah mais non mais... Oula, ça c'est pareil, c'est entre toi et toi. Mais non mais t'as un bâton. Oh là là, oh là là, ah voilà, sais pas ce que... Dis pas ça. Ah ça a des beurs un peu particuliers hein. Tout est un lubrifiant aussi. Non. Ça y est, il l'a dit. C'était en train de doucement glisser. Parapapapapapapa. Technical difficulties. Bon, c'est bon là, vous avez fini vos petits tours de. Hein? Non. C'est parce que vous avez une superbe vue sur la. Mais à ce moment là, nous on se TP en bas, je pense que ça va nous TP là hein, si on active la gym. Alors, ça n'est pas du voyeurisme, c'est de la curiosité intellectuelle. Bon, il y a clairement en fait un escalier pour descendre quoi, genre c'est pour ça qu'on continue en fait. Bah, moi j'ai trouvé une goule éclaireuse morte. Elle est morte ou elle est éclaireuse? Ah, j'ai sauté quand même. Putain, j'ai perdu un PV quoi. Sauté trop loin. Bon, moi je vais De l'encens à plusieurs corps fous. Pareil que ça se vend. Oui, celle qui a 30 squeak. Ah, y'a un rat qui a fait squeak. Y'a plein de rats qui ont fait squeak, ils s'enfuient les rats. Ah, si seulement on avait quelqu'un qui pouvait leur parler. J'ai déjà essayé, ils veulent pas. Ah bon? Il y a l'escalier là. Il y a des nuages de fumée là-bas là. Et là tu veux pas aller On va essayer de faire bouger la plateforme. Oui, alors je conseillerais que l'assemblée nous rejoigne. Je sais pas où vous êtes. Une quantité de rats en bas. Arda, on fait un Featherfall et on les rejoint. Qu'on soit clair, nous on n'a pas bougé, on est au même endroit que tout à l'heure. Non mais je crois que de là où t'es on peut les rejoindre en sautant. Oh, attends, il y a des vases là, tu crois qu'on peut y aller? Il y a des vases. Attends. Bah, t'as pas fouillé la goule éclaireuse? Oh, ah oui. Ah non, je me suis pas approché, je me suis dit que ça pouvait le combat. Je peux pas. Note de B. Attends, vas-y, si tu me laisses la place, peut-être que moi je peux. Encore. Non, je ne peux pas. J'ai la portée, mais on peut pas aller. C'est embêtant, on peut la looter. Oh, ça m'angoisse maintenant. Allez, tu peux le faire en un coup. Allez! Putain, mon perso il veut pas le faire en un coup. Ça va être super classe quoi. Pourri mon groove. Donc, on a trouvé la relique de Kesserik, c'est ça? Bah, j'ai trouvé un endroit où mettre la gemme, et puis j'ai mis la gemme et ça m'a fait. Hey, vous avez trouvé la relique? Ok, d'accord. C'est toi qui l'as trouvé en plus? Bah, j'ai trouvé un gros truc violet, je l'ai placé dans le gros truc violet et ça a fait bouger la plateforme violet. Un trou violet, une boule violette. Je suis un détective. Bon, je relance ça et on saute. Bah, moi je suis déjà en bas, hein, je vous attends. Il y avait une dent rocheuse. Oui, voilà. Parfait, en plus, c'est celui qui parle au rat qui.
didn't listen. You made me remember again. Me fait rappeler, souffrir de nouveau, je vais le faire payer. All of me. D'accord. On va se faire envahir par des rats. Cool. Là là. Alors, est-ce qu'on a un truc pour se mettre dans un coin et attendre patient? Ah, ils ont littéralement un PV quoi. Le monk il est on fire. Mm-hmm. Ah ça fait de l'XP hein. Je vais te dire, si on en tue encore 9498, on passe niveau 10. Ils sont pas morts. Non mais je crois qu'il y en a certains qui ont repop dedans. Et ah non c'est bon, ils sont morts, c'est juste le super rat nécrotique à 4 PV qui a survécu à mon attaque de dingue. Putain, Ardais joue avant des rats quoi, enfin après des rats, c'est la déchéance. Je suis pas sûr qu'il te fasse beaucoup de dégâts. Oh, 5 à 22 si. Quoi? L'attaque du rat, là, la morsure, ça faisait 5 à 22 de points de dégâts. Dang. Ah. Je savais pas que c'était aussi violent les... Pourquoi on castagne des noix ou des noix? Putain, des rats. Des noix, oui, c'est ça, tu vois. Grosse noix. Il y a un rat soporifique, il y a des rats nécrotiques. Putain, pourquoi j'aurais dû garder une nuée de dagues pour cet endroit-là, quoi. Bah, j'ai une AOE, j'avais hésité à la lancer, mais j'ai bien fait de pas la lancer. Ils sont coupés, là. Mais le mire se fait bolos par des rats. Il joue combien de temps là? Ils sont nombreux, c'est tout. Bon, je propose qu'on met plein de feux grégeois partout. Oui, oui. Attends, mais je vais balancer une Thunder Wave et ça va mettre fin à l'histoire. Là. C'est pas un feu. Attends, je vais éloigner. Vas-y. Ouais, genre, ouais. Il y en a encore plus. Attends, ah bah tiens, j'ai un parchemin de mur de feu. Je sais pas comment ça s'utilise par contre. Bah ça fait un mur de feu. Ouais mais dans quel sens comment? Alors, bah, tu mets derrière toi et tu fais un tour de là comme... à de là. Après est-ce que ça vous dirait pas qu'on se regroupe peut-être ici? Et après il fait une ligne de là à de là. Là. D'accord. Faisons ça. Bah regroupez-vous parce que je lance maintenant. Genre là. Ouais, faut pas qu'il me touche parce que du coup je suis en concentration. Là. Et d'où ils sortent? Bah des sol. Dans le sol. Deux. Mais Deux. Allez, protège notre mur de feu. Ah, tu peux plus taper. Bah, ça va, j'ai tapé. Le mec il se barre. On lui dit, il faut pas qu'il prenne de dégâts. Tu te mets derrière Katox ou à côté. Mais je suis devant Katox. Il reste un petit peu de PV. Voilà, il peut encore un peu se déplacer. C'est bon. Je sais pas, Arda il a pas joué donc ça à partir de là. Oui, je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire. Il va faire aussi un mur de feu, tu sais, ça va être double mur de feu. Non, je trouve que c'est gâché. Je préfère utiliser un cantrip. Ouais, là en soi, c'est plutôt rentable le mur de feu, je trouve. Ouais, mais j'ai pas de mur de feu en fait, surtout ça. Ah. On va peut-être mettre un glyphe de garde. Non, mais je peux pas les inspecter les mobs, c'est chiant. Ouais, le glyphe de garde c'est pas mal. En fait, pas un shatter plutôt. Un shatter là avec le quantité de rats, ça marche bien. Fracassement, c'est ça? Oui, ouais, pardon. Fracassement. A mon avis, tu peux tous. Non, peut-être. Ouais, au moins 5. Attendez, faudrait pas aller ramasser le casque de char et le bouquin là pour.
En fait, je comprends pas pourquoi les mobs ils pop en perma quand. Ah, ça a cassé le bouquin. Ah oui. Oh merde, oui. Ça c'est con. Oh merde. Ah, pas de bol. Bon bah, je vous expliquerai alors. Mais devant Katox. Ah, c'est un. Ah, le mur de feu qui est un échec. Ah, bah oui, là il faudra balancer juste. Bah, au moins on sait par où. Un feu gris, moi je balancerai une flèche de feu. Attends, le rat il a combien de constite là? Tu vas. Ah, you foutage ma gueule. Il a 9 de constite, il a réussi à save quand même le. Ok, on va faire ça. Je vois pas où il passe. Le rat est trop petit. Le rat là. Non ! Ah ! J'ai failli te shatteriser. Hein. Oula ! C'est quoi, c'est une autre transformation, hein. En plus, c'est que les flammes, ça donne un aspect très. These hands, too big. Where are the others? Where's the rest of me? T'as le mec qui s'est transformé. Why did you have to keep prying? Why couldn't you just leave? C'est qui? Lucindor. Last ah, dark justice. C'est un justiciard, ceux qui nous tapent depuis tout à l'heure, en fait, il va crever. Kept the faith alive after all the others were killed. En tant que you ruined it. Trespassed. Spoiled our my secret. Now you will rot in the dark. Ouais. Peut d'abord, hein. Comment? Lui d'abord, j'ai envie de dire, on va lui faire priorité, hein, vu que il aime les ombres et il oublie, on va le faire oublier. Pas la peine d'avoir recours à la violence, encore. J'adore, c'est vrai que celle-là elle est pas mal. Plus de violence. Ouais, vas-y. Tous des pourris. Your miserable tale ends right oh, now. Si je peux parler encore, je le tape. Rat King. On est d'accord qu'on va faire un reste dans pas trop longtemps ou pas? Oui, là moi j'ai plus de. Je suis en train de claquer mes derniers sorts. Allez, dégage. Décalé. Hé, vas-y, pique lui son arme. Et tu vas faire quoi maintenant? Oh, elle est pas si mal en plus. Bon, maniez-vous parce que je lui Eldritch Blast la tête. Ah. C'est quand tu veux. Je sais pas. Ah, c'est bon. Papa. Pampon. Ah, j'aime tellement le sort pour dropper les armes, je le trouve vraiment pratique. C'est juste que c'est pas ouf niveau. Efficace. Ok, ouais, hein. Oh, il a lancé un spell. Ouf. Claquette. 28, c'était bien ça, 28. Mes propres potes. Quoi? Je t'ai pas tapé? Oh non, oui, vas-y! Il vient de me taper. Mais je t'ai pas tapé, t'as résiste. Ouais. Surtout que c'était pas un sort d'Hour, j'ai bien visé le. Oui, mais sachant que c'est dans la flotte, ça fait de la roue. Ah, il avait un bouclier, un gros bouclier. Bon, du coup, vous avez pris le casque de char? Ouais, j'ai pris le casque de char fissuré. Tiens, on sait en faire quoi? Et le cimetière du justiciard. It's been a long, long
Ah, c'est pas mal, hein. Ça a une attaque, c'est incroyable. 16 à 34. Ouais, mais tu peux la faire une fois en par chartresse, quoi. L'analyse du gars, un cercle de rituel. Il est de nature infernale. Et t'as les pieds dans le sang, entouré de crânes, avec des bougies qui font de la lumière violette dans un truc avec plein de sang. On peut dire qu'il est plutôt perspicace, le bronze. Habile. Ouais. Habile. Solide. Bon, du coup, pour se barrer de là, faut se TP, je suppose. Bah non, elle a dent rocheuse. Non mais c'est pas fini encore. C'est vrai, la dent rocheuse. Où ça, il y a d'autres trucs encore. Mais là. Où ça? Attends, t'es où là? Je ping à côté de toi là. Je vois même pas où t'es. Bah, je suis devant toi. Bon, bah, je suis. Ah ouais. Ouais, bah en gros, c'est on remonte quoi. Ça où on se TP, c'est la même. Donc en gros, l'histoire de ce machin là, le bouquin qu'on a atomisé, enfin qu'on a chatterisé. C'est bon le cercle rituel, on a compris ce qui se passait ou pas? Bah non, il a dit que c'était de nature infernale. Ah, mais le jet de machin il a été loupé ou réussi? Il y a pas eu de jet. Pas eu de jet. Ah, c'est embêtant. Ouais, donc en gros, ce qui s'est passé ici, c'est que en gros, Raphaël il avait mandaté le mec là, le. Jurgir. Jurgir, il avait dit à Jurgir, ouais vas-y, je veux que tu me butes tous les justiciaires, les dark justiciaires qu'il y a dans le temple. Sauf que cet enfoiré, vu qu'il restait un justiciaire, le mec qu'on vient de buter, il y avait que lui qui restait comme pélo, et lui a dit, hey, si tu veux, moi je peux te trouver une solution pour éviter de te faire bousiller la gueule, je te transforme en plein de rats. Et l'autre il a fait, ouais ok d'accord, on fait ça. Donc le gars il a été transformé en plein de petits rats pour pouvoir échapper à justement Jurgir. Et Jurgir s'est fait en fait ton papa outé parce qu'il pouvait plus buter le dernier justiciaire vu que bah il y en avait plus. Enfin, il était encore là, mais en gros vu que c'était une nuée de rats, bah il pouvait pas techniquement le buter. Donc bah l'autre il était bloqué comme un débile avec une musique pourrie dans la tête jusqu'à ce qu'il réussisse sa mission et. Voilà quoi. Donc c'est pareil, on a fumé Jurgir qui est et on est passé à côté de pourquoi du comment il était ici. Bah on est arrivé, on a fait coucou. Ouais c'est ça, ouais, mais je sais pas s'il faut monter tout de suite à l'étage. Bah je sais pas, je dirais on finit l'étage et puis on redescend. C'est vrai qu'il y a une porte là, on pourrait. Il y a une porte, c'est pour ça. Ouais, on pourrait faire la porte. Il y a un levier, il y a un truc sur lequel on peut avancer encore. Alors... On peut faire le bas. On tombe là où on était. Ah oui, attendez, bah je vais réparer l'ascenseur d'ailleurs. Je reviens de. Le levier là-bas là. Ouais, le levier qui était là-bas, le lever là, tu le. Ah mais non. Hop. Il y a un broken lever. Ah, il est là. Tire le levier, Kronk. Attends, c'est moi ou toi? Mais non, mais putain, rends-moi le levier. Pour faire quoi? C'est pour quoi? Alors, vas-y, viens, tu vas réparer la manivelle, allez, viens. Ouais. Ouais. Ouh. J'ai cliqué sur le levier. Youpi. Tire la chevillette. Et la bobillette chera. Exactement. C'est le temps de chargement. On est rendu à faire des conneries. Alors, ici. Paf. Un levier cassé. Quelle est donc cette énigme? Oh là là, mon dieu. Eh ben attends, c'est bon, on a réparé. Non mais vite, viens. L'ascenseur descend. Il va remonter, hein, c'est pas grave. Oh, là. Mais t'es avec moi, je me suis dit, moi c'est bon, on peut descendre et à son point là, c'est. Eh ben non. Bon, mais moi j'ouvre la porte, hein. À tout c'est... moment, je saute. Ah, il y a marqué que si je saute, je meurs. Attends, si tu veux, je te soigne en descendant. Oui, non, tu vas perdre beaucoup de PV quand même. Épreuve du saut de la foi. Ah bah tiens. Ah, c'est pas moi qui m'en occupe, hein. Alors, ça fait 54 minutes qu'on y est. Est-ce que avant de se lancer dessus, on ferait pas une petite pause? Ah, comme ça, on fait un long rest et tout au passage. On a tué un démon, on a réparé un ascenseur. Allez. Il y a deux qui sont fous, il avance. Bah, j'avance au moins devant l'hôtel, histoire de voilà, de présenter mes hommages. Bonjour madame. Vous êtes dans la porte. On revient, on termine l'épisode. Dans la pièce plutôt.
C'est vrai que c'est sympathique, ça fera une belle vignette. Exactement. Allez, c'est beau. Sur ça. Voilà. Bonne montée sur le. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Des bisous. Et des bisous.